Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, va ton esprit et tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. Chers amis, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de voir ce nouveau jour, de ce nouveau mois de février, qui nous donne la grâce de pouvoir le passer en sa présence. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Il partit et proclamait qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus envoie ses disciples 2 par 2 parce qu'il désire que ceux qu'il envoie annoncer l'amour de Dieu à tous les humains puissent le faire non seulement avec des paroles et des discours, mais surtout par le témoignage de gestes concrets d'amour fraternel. Il dira par ailleurs, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. » Ainsi, c'est surtout par le témoignage concret de l'amour fraternel que les disciples pourront réussir le mien à se faire comprendre par les gens qu'ils désirent évangéliser. Par cette recommandation, Jésus désire avertir ses apôtres qu'ils ne doivent pas faire reposer leur confiance en eux-mêmes ou sur leur propre force humaine ou encore sur leurs moyens financiers pour le succès de leur mission. Car leur mission est en fait la mission que Jésus lui-même a reçue du Père. Ainsi, Jésus veut que chacun de ses disciples qui accepte la mission d'annoncer le royaume de Dieu puisse mettre toute son espérance en Dieu le Père, qui peut seul donner la grâce pour toucher et convertir les cœurs. Ainsi, plus les apôtres se sentiront pauvres et démunis, plus ils devront mettre leur espérance sur la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, il nous faut donc concentrer notre attention et nos efforts sur la parole du Seigneur qui nous donnera la lumière et la force d'évangéliser notre monde afin que le plus grand nombre puisse accueillir le salut de l'amour de Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur nous assiste et nous accompagne tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.